du Nil, les dieux du Nil, les dieux Hapi, et avec lui la déesse de la moisson, qui porte les produits de différentes provinces de l'Égypte. Vous savez que chaque province en Égypte avait une spécialité de produire quelque chose. D'accord. Ici, par exemple, alors, il y a dans un filet, ici, on a les canards et les boissons du Nil. Alors, il y a différentes sortes de boissons du Nil. Vous savez qu'il y a la perche et différentes sortes de perches. Il y avait aussi les boissons chats, différentes sortes de boissons chats. D'accord. C'est le plus célèbre maintenant, c'est le cèlure qui peut arriver à 1 mètre. Très méchant. Et ici, c'est un filet avec différentes sortes de canards et des oies. Les jarres des vins et la bière, comme on a dit, fabriquer le vin et la bière. Et la ville d'Assouan, à l'époque gréco-romaine, était célèbre par la fabrication des bressoirs, les machines en bois qui écrasaient le raisin. Les machines étaient fabriquées à Assouan. Ici, on voit le raisin. Non, c'est les vignobles, les vignes sont maintenant dans le nord et on a des usines qui font des vins locaux dans le nord. C'est le vase de parfum. C'est le parfum de la base de la fleur de lotus. On voit ici. Et les galettes de pain. Et les anciens Égyptiens, le texte nous dit qu'à l'ancien empire, vers moins 2500, les Égyptiens ils mangeaient 14 sortes différentes de galettes. Et à l'époque gréco-romaine, ils avaient plus de 25 ou 30 sortes différentes de galettes. Et ici, c'est le blé Mais surtout, aussi. tu veux dire qu'il y avait du blé. Le blé, ouais, vous savez que l'Égypte était un grenier de blé pour la Grèce, pour Rome. Et à l'époque gréco-romaine, la bande cultivée était plus large que maintenant. Le désert avancé, le dernier 1000 ans. Et ici, c'est le datte et les figues. Le datte et les figues. Et en bas, on a les bœufs. Les Ah bœufs. ouais, j'aime beaucoup. Les bœufs. Et ici, si vous regardez, on voit aussi les oies. Les oies. C'est un graffiti arabe ici. Quelqu'un qui a écrit son nom. Au Moyen Âge, il y a plus peut-être de 600 ans, 700 ans. Le blé. Et sur une table ici, on a tous les produits de provinces de provinces égyptiennes. On a tout ici. La grenade, le raisin, le blé, les oies, les canards, les fleurs de lotus. Et en bas, c'est les bœufs. Les bœufs.